Yo, Snake, c'est Foxy Gamer et on se trouve sur Luigi Mansion, le tout premier. Alors, oulala. Alors, dans ce jeu, bien sûr, il faut faire comment, pour récupérer un fantôme, il faut tourner, 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 tourner. Le problème, c'est que vous comprenez bien qu'il n'y a pas de joystick sur le clavier, donc ça va être dur. Donc j'ai déjà fini le jeu, je vous dis déjà, enfin je connais la fin et tout le jeu et voilà. Et donc voilà voilà, c'est un jeu que j'adore, j'adore ce jeu. Je m'amuse comme un petit fou. Et donc les bons jeux comme ça là, j'ai envie de jouer. Donc voilà, comme le Super Smash Bros Brawl, j'ai fini aussi, même si Jabou était très dur à battre. Et l'histoire de Jabou en fait, c'était qu'en fait, l'enfant, il veut se débarrasser des jouets parce que dans Super Smash Bros, ce sont des jouets. Les figurines, là, les personnages, ce sont des jouets. Et les créa main, c'est le créateur, quoi, tout ça. Enfin, son enfance, on va dire, plutôt. Donc. C'est que je peux accélérer en disant, on nique sa mère, j'aime pas. Ok, R, c'est pour. Alors, vous savez, ça sert à quoi? En l'air, comme ça, ok. En gros, c'est joystick quoi. Oh, je devrais faire comme ça? Je vais faire comme ça alors. Oh, ça va être dur. On peut pas courir? Non, on peut courir. Ouh là là, ça fait peur, aidez-moi. En vrai, j'ai une manette GameCube. J'ai une manette GameCube, mais il faut le truc payant là en fait. Donc j'ai 0 diamants, c'est intéressant ça. Allez, tout le monde connaît cette cinématique, ceux qui ont joué à ce jeu. J'adore qu'on fait ça, putain. Ah, y'a pas de Game Boy, ok, pff, ok, pas de Game Boy. Je joue avec mes lampes torches. Et comment je vais aspirer? Je crois que ce sera R, non, c'est E, non. Ce sera A ou un truc comme ça. Ce sera Z, je parie. Il faudra. Ah putain, c'est dur! Je vais me faire galérer, c'est facile le genre. Ah! Ah, il est vieux, hein. Ah, je suis encore plus que je vous dis déjà, hein. J'ai pas de clavier moi. Enfin, j'ai un clavier, j'ai pas de manette. Je pense même pas que je peux jouer avec la. En tout cas, bref. Luigi! Aïe! Mon boulot est beaucoup plus dur qu'il ne paraît. Je suis trop vieux pour courir après des fantômes! Enfin, content de connaître, je suis professeur de catastrophe. Cette maison semble atterrée par ta fantôme chaque jour. Mais fais un jeu comme ça, toi, un quoi comme ça. Oh, c'est vraiment affreux, affreux, oui. Allez, puis mon gars, allez, suis-moi au galop. Où sommes-nous? Ce charmant appartement est mon lieu de travail. C'est ici que mon professeur de catastrophe mène des études sur les fantômes. C'est mon labo, quoi. Tu as gagné ce manoir dans un concours auquel tu n'as même pas participé? Plutôt bizarre. Tu crois que cette propriété existe bel et bien? Plutôt étrange. Je vais te dire quelque chose. Je vis ici depuis un bail et ce manoir n'a jamais existé. Il n'est pas eu cela fait quelques jours. Les esprits se sont moqués de moi. Je ne sais pas si c'est un rêve ou une illusion, mais je n'aurais pas gagné un manoir hanté. En te regardant bien, un détail me revient. Un type, un gars avec un chapeau rouge, comme toi, est allé au manoir, sans même s'arrêter ici. Je ne l'ai jamais revu. Était-ce une illusion? Je ne sais pas. Ce type était ton frère. Dieu, mais c'est terrible. Ses chances de survie contre les fantômes seront nulles sans mon aide. Tu dois l'aider. Voici le plan. Je vais t'attraper. Je vais t'apprendre à combattre des fantômes pour que tu puisses sauver Mario. Aspirer, donc c'est Z quoi. Pour capturer. Attendez. Allumer, éteindre, ça c'est R. Pour faire ça, c'est le E.
Pour chercher, pour ça sera X et ça c'est Y. Pour l'inventaire, ce sera Z et Z, ce sera. Je pourrai jamais accéder à l'inventaire. Aspirer. Déplacement latéral, c'est-à-dire quoi? Ok. Projeter du vœu de la glace, c'est L. Comment on fait? Merci. Ah, ce sera A. Mais comment je vais faire moi? Donc je voudrais jouer comme ça? Mais j'y arriverai pas! Oh ça va être facile! Oh ça bugue en plus! Ok, ce sera les touches. Ok, bah ce sera un début. Merde, putain, mais en vrai, c'est Dieu, mec, ils sont buggés, les fantômes! Ils sont moches! Faut appuyer sur. Putain, trop de balles. Viens ici, ah, je crois que je peux appuyer sur la balle, je vais défoncer mes touches, vous allez voir. Yes! Mon record! Ce sera à faire, alors combien d'attrapés? 6, bien joué Luigi. Ah, je vais. Ah, voilà la galerie. Ah, bah si, j'ai accédé à l'inventaire. Oh, ça a galéré aujourd'hui. Alors là, c'est la salle du roi Bou. Voilà, maintenant on va s'arrêter ici, je suis plus en mesure. Comment on court? J'aime bien quand son nez est rondi là. Nanana. Ta-ta-ta-ta, où tu veux aller? On va au manoir, je vais me faire défoncer. Ta gueule, regarde ta tête là, mec, ta tête elle est. Oh! Tu sais, je peux faire le connard en disant vas-y, je me casse. Mais si je fais pas ça, il y aura pas la lumière. Et il va pas me sauver la partie. En gros, c'est un point de sauvegarde, ça fiche de pute quoi. Attendez deux secondes, parce que là je vais régler un truc, parce que là ça va être pas facile. Hein. Donc, comprenez pas, on va faire ça. Et ce sera Z. Waouh. Et Z, ce sera où alors? Ce sera F. J'ai rien vu. Bah voilà! Ah non, le bouton Z c'est bouton. Ah bah voilà! J'ai réglé un problème! Maintenant je peux enfin utiliser bouton Z pour Windowker. Génial! Donc le miroir il sert à rien sauf pour aller dans cette salle. Donc Mario! Lolololololololol. Mario, j'aime l'argent. Mario. L'argent!
Attends, mais le drill ici, ref. Attention. D'abord mon argent. D'abord mon argent. Puis après le reste, on y verra. Des fils de pute. Tiens. Tiens, prends mon point. Avec ma moustache. Et comment il aspire, hein. Ah, écoute, c'est une musique. Je peux pas ouvrir. Prends ça. Prends le truc en dessous. Non, pas G. Prends le truc en dessous. Non, en dessous. Non, en dessous. J'aime ça. Donne-moi de l'argent. C'est pas de l'argent cette merde. Les touches sont inversées, bien sûr, hein. Vous savez. Qui a éteint mes bougies? Toi, monsieur tout vert! Eh bien, les espèces sombres sont dangereuses par ici! Ils aiment les ténèbres, ils ont. Vont te voir! C'est ton tour! Comme pour monsieur Chapeau Rouge avant toi! Puisses-tu errer dans les ténèbres pour toujours? As-tu peur du noir, petit homme? Hein? Ah, ils sont là! Fils de pute! Viens ici! Fils de pute! Mais pas un... Mais si, il y en avait un avant. Pourquoi ça veut pas alors? Avant, il... enfin, ici, il y a... Il y a un fantôme tout bleu et il est très important. Il rapporte du fric, le demi bleu. Et t'es pas bleu, toi. Comment je fais ça? Dites-vous que je sais même pas. Je prends... je fais juste des trucs aléatoires. Ça va être très long, les boss, hein, je vous dis déjà. Parce que sans PV... D'accord. D'accord, d'accord. La 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 la. T'inquiète pas, Luigi, je suis là. Mais non, je tronche de touche. Yessi! Ok, je fais juste. Mais sur la manette, je vais plus vite, hein. Déjà, là c'est. Putain, mais j'arrive pas. La touche Z et E là. Putain, mais c'est quoi ce fantôme de merde? Attends, si j'arrive pas à capturer un fantôme comme ça à 20 PV, j'arriverai pas avec plus loin. Sérieux? Sérieux? Mais j'ai pas lâché! Merde, il me reste trop PV, merde, fais chier. Vas-y! Oh merde, ce sont deux. Eh, je suis fort, hein, pas vrai. C'est juste le début. Hein. Allez, je savais que ça allait mettre les deux là. Vas-y, m'a touché. Fils de pute, tiens, viens ici. J'arrive pas! Mais fils de pute! Faut vraiment que j'ai une manette truc. Je veux pas, je vais prendre ma manette de GameCube là.
J'ai demandé à mon gros frère s'il a le truc de... Le truc là. C'est quand même important. Là, oh, des gueuleurs! Mmh, un lago! Du fric, du fric! L'argent, l'argent! Voilà. J'ai mal, donnez-moi un cœur, merci. Maintenant il faut le prendre et voilà, j'ai réussi. Putain, Luigi. Ah, maintenant c'est Monsieur Banane, allez hop là. Mais je n'ai pas la fin du jeu quand même. La fin du jeu, ce serait dur. D'abord les connards comme ça. On enlève les bananes. Allez, on enlève les bananes. Quoi? Mais il a lâché tout seul. Mais mec, vas-y, 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 mec, c'est banane, mec. Normalement, dans le jeu, t'as deux joysticks. Un qui peut faire en guise de contrôler, et l'autre qui sert à faire... Ah, mais putain, mais les touches sont trop compliquées, en vrai. Le G, il sent pas bien. Attendez deux secondes, parce que ça va être un peu compliqué, là. Voilà, on connaît tous les endroits comme ça. Non? Je sais pas? Bah voilà, maintenant vous savez. Dun, dun, dun. J'aime la musique en vrai. Excusez-moi, cela n'explose pas leur cœur aussi facilement. Quand tu vois, utilise le bouton X et tu coûterais un indice sur ton cœur. J'en ai pas besoin parce que c'est le premier boss du jeu. Et vous comprenez bien que c'est facile, de toute façon. Le bébé. Non. Ah, mais je peux. Normalement, mais dans la version Game Boy, je fais en 2 secondes ce truc de merde, mais là j'arrive pas! J'ai pas le putain de bouton! Viens ici! Viens là! C'est quoi ces livres de merde là? Le boss il est facile à faire en plus. Et si je gagne avec celui-là, j'arriverai pas plus loin. Daisy!
J'arrive pas, mais j'arrive pas, ce boss il est trop dur là. Et plus le bébé j'ai même pas fait là. Putain. Oh, ok, donc le Luigi s'est décidé d'arrêter de tirer. Yes! C'est pourquoi c'est en mode rapide que j'arrive à faire ça. Oh putain, regardez mes PV. J'aime bien ce bruit. Oui, je suis un gamin. Ah, pour aller en haut. Attends, elle est là. Alors, je vous laisse deviner qu'est-ce qu'il faut faire. Je vous laisse deviner. Ah, tu t'es écouté? Je savais pas que les fantômes ils chantaient aussi, je savais pas. Tu crois que c'est facile de tourner avec une os? Un clavier, c'est pas facile. Hein. Ok, évidemment, il n'y a rien. En vrai, il n'y a pas de... Quelle odieuse rencontre! Putain, mais hey, je vais pas enlever 20 PV à chaque fois. Hein. Madame, madame. Et niquez vos mères. Niquez-vous. Eh hey. Et si je suis de retour. Ok, bah en fait. Mais en fait, je dois jouer avec les 6 boutons en même temps. Je vous en pas. Vous comprenez bien que c'est dur. Bon, en vrai, je gère un peu. Pour un début. Non, parce qu'en vrai... Oh, c'est ça, m'entend. Et voilà. Allez, le bébé. Marrant, hein. Je suis trop drôle, lol. Fils de pute, j'aime pas ce bébé. Je hais les bébés. Peut-être pour ça que j'aime pas. Ok. Ok, vous avez compris. Ah, je suis un fils de pute. Hé, hey, tu joues avec moi? Jouons, jouons. Jouons comme un gros fils de pute, jouons, jouons. Nique ta mère. Aïe, tu m'as fait mal. Je voulais juste jouer avec toi, j'aime pas les adultes. Pourquoi est-ce que tu serais plus grand que moi? J'en ai vraiment marre. Petit, maintenant deviens plus petit. Petit, tout petit, minuscule, microscopique, quoi. Quand j'étais petit, il m'a fait peur ce fils de pute, hein. Je vous dis déjà. Quand j'étais petit, j'avais peur. J'avais 7 ans. Vous savez très bien qu'à 7 ans, vous êtes une pauvre merde, hein. J'avais peur. J'avais peur de lui, hein. Je vous dis juste, hein. Pour vous dire à quel point... Bon bah là, maintenant, c'est ça que j'ai plus peur de lui, c'est juste un pixel. Si je verrais ça quand je serais tout petit, je serais en train de rigoler. Hein. Je peux pas courir, c'est vrai. Je peux pas courir.
Bon, tant pis. Tout petit, des ballons. Mais putain, mais hé, j'aurais déjà enlevé 25% de sa vie là, et là non. Vous allez bien? Ah vas-y fils de pute. Mais c'est méga dur de le toucher. Vas-y, c'est méga dur. Et c'est quoi, c'est... Pourquoi j'ai 99 gemmes blanches? Oh, c'est bien stack pixel quand même, hein. Je me combats quand t'as tap pixel. Mais putain! Sale bébé de merde! Je vais t'apprendre la politesse, tu vas voir! J'ai pas enlevé 12 PV, 10 PV par seconde quand même, si? S'il vous plaît, manette, s'il vous plaît. Manette, non, manette. Même une manette 8, je gagnerai moins. J'aime pas les bébés! Et long. Aïe. Oh, arrêtez de faire le con là. Ta gueule. Mais non, mais vous avez remarqué que depuis tout à l'heure, tant sur Zama Wimaker c'est pas compliqué, mais alors Luigi Mansion, faut tourner en rond pour capturer les fantômes, hein, pas comme dans Luigi Mansion 2. Hein. Dans le 2, tu fais juste meilleur contre-sens et c'est bon, c'est fini. Hein. Mais avoir ça sans réussir là, c'est déjà un peu chaud. Ta gueule! Je vais enlever 10 PV, yes. Et là, on est encore normal, là, on n'est pas en mode difficile. Hein. Je savais que j'allais pas réussir. Fils de pute, viens ici. Tiens, je t'emmerde. Ah, ils ont réglé le bug. Ah, oh, c'est triste. Ah. Luigi, tu m'entends?
Dieu merci, tu es vivant. Je suis non en de contact. Avec toi, j'étais inquiet. Tu sembles fatigué après cette longue bataille. Tu as une petite mine. Pourquoi ne reviens-tu pas au labo pour te remettre? Quand tu aspires un boss au fantôme, ton Exoblast 3000 est prêt à exploser. Je crois que tu vas montrer. Je crois que tu as montré à ces boss qui est le vrai boss ici. Beau travail, Luigi. Tu es toujours entier, ça fait plaisir. Regarde-moi cette merveille. J'ai mis 20 ans à le construire. C'est un portrificateur électroplasmique. Il permet de transformer les fantômes en... et vice versa. C'est un exemplaire unique au monde irremplaçable. Comment fonctionne-t-il? Très simple. Il faut juste brancher cette fiche, cette prise. Et parti... c'est parti, mon gars. Les fantômes sont invisibles. Nous devons donc les rendre visibles. Pressés pour les rendre pressés, quoi. Bref, j'ai oublié un mot, quoi. Deux. Et transformer en magnifique portrait dès que tu te places. Meurs. Oh, leur tête. Merci, Luigi. Grâce à toi, j'ai pu retransformer ces fantômes en joli tableau. Merci. Neville, Lindia, Oliver le connard. Vous avez pris 3 Total Fantômes. 5000, 1 million, 100 000, 0, 0, 0. Regarde-moi, c'est les joyaux. Et là, t'as pris même pas 1 million. En gros, je suis riche. Ah, j'ai fait un A alors que je suis une pauvre merde. Yes! Je regarde, allez. Où vas-tu, Luigi? Alors, déjà, on va à le manoir. On va ouvrir la porte. Et voilà. Donc, c'est tout pour l'instant. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu, partager avec toi, c'est un plaisir. En fait, là, pour l'instant, j'ai joué au clavier, comme vous avez entendu, hein, depuis tout à l'heure. Et en fait, il y a... j'ai une GameCube que je peux faire, qui est logique, parce qu'il faut un émulateur. J'ai un émulateur. Tout vous donner, c'est quoi l'émulateur? C'est Dolphin 5.0. J'ai téléchargé... il y a sur une vidéo, il y a un mec... enfin, sur une vidéo, il y a des gens qui ont sur une vidéo... En fait, quand tu télécharges le jeu, il y a une sorte d'icône avec un livre. Moi, c'est avec un sorte de truc. On va dire un sorte de cube, je vais vous montrer plus tard. Et en fait, tu mets ce truc-là dans, Dolphin. Tu le déplaces en fait. Et tu auras le jeu. Mais si vous voulez le jeu dans Dolphin carrément, il faut créer un fichier. Un dossier quoi. Il faut créer un dossier. Vous mettez par exemple jeu GameCube ou jeu émulateur comme vous voulez. Et puis après, voilà, vous mettez ça là-dedans. Et voilà quoi, je dis ça en version... je dis ça parce que moi j'ai déjà fait tout fini, mais en vrai c'est un peu plus compliqué que ça on va dire. Mais voilà, donc c'est que c'était vraiment tout. Hein. Si vous voulez que je continue ce jeu qui est déjà très 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 bon, et que c'est un jeu GameCube en plus, hein, donc les graphismes c'était quand même bon. Hein. C'était beau les graphismes en vrai. Hein. Donc voilà, donc sur ce, on se voit à la prochaine vidéo, et moi je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!